Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc Thierry Hamelin, directeur des études. Je vais effectivement avoir le plaisir de vous faire un panorama de la data gouvernance à travers les enjeux et les freins qu'on peut constater aujourd'hui. Pour ce faire, je vais mobiliser un certain nombre d'études que IDC a réalisées en France et en Europe. Alors peut-être déjà en état des lieux pour planter le décor, le volume de données générées par les entreprises dans le monde, comme vous pouvez le constater, maintenant il est exprimé en zeta-octets, donc 10 puissance 21 octets, c'est considérable. Mais surtout c'est la progression qui est considérable puisque, comme vous pouvez le constater, on va passer de 36 zeta-octets en 2020 à 122 en 2025 selon les projections IDC, ce qui correspond bon an mal an à un triplement de ce volume de données. C'est pas moins de 86 zeta-octets de nouvelles données qui vont être créées en 5 ans. Donc on voit qu'il y a en tout cas de la matière et du grain à moudre. En ce qui concerne, aujourd'hui, la priorité technologique inhérente à la gestion des données, là aussi, je me suis appuyé sur les résultats d'une étude européenne qui s'est menée auprès d'entreprises de plus de 500 collaborateurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à hauteur de 41%, donc l'essentiel des répondants, c'est que l'analyse de la donnée, c'est une priorité technologique c'est une assez forte priorité technologique. Donc pour à peu près 4 entreprises sur 10. Pour 20% d'entre elles, c'est une très forte priorité. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, plus d'une majorité des organisations sont bien engagées dans une priorité forte autour de l'analyse des données pour les 2 prochaines années. Poursuivons ce panorama. Même question concernant les priorités en matière d'investissement dans les 24 mois à venir, bien entendu priorités qui sont inhérentes à la gestion de la donnée. Et comme vous pouvez le voir dans cette mosaïque, c'est que les investissements dans ces projets de gestion des données vont toucher tous les domaines de l'entreprise. On va avoir à hauteur de 41% la volonté d'améliorer l'expérience client, l'Internet des objets à hauteur de 35%. Ça c'est aussi un élément qui va être majeur parce qu'on voit qu'aujourd'hui à travers la montée en puissance de tous ces objets connectés et du edge computing, on a un réservoir de nouvelles données qu'il va falloir exploiter. Et puis pratiquement, je dirais un tiers de réponses, le développement produit, la planification et la gestion financière, le ciblage marketing et commercial, la planification et optimisation de la supply chain, et puis pour finir, les achats. Donc on voit bien que l'univers de traitement de la donnée est assez vaste au niveau des entreprises. Alors, Jérôme en parlait tout à l'heure en introduction. L'intelligence artificielle par rapport à tout ça gagne du terrain. Là encore, je me suis appuyé sur 2 études que nous avons menées au niveau européen, toujours sur des entreprises de plus de 500 collaborateurs. Alors sur celle qui est directement liée à l'utilisation de plateformes de développement IA, on constate aujourd'hui que près de 3 entreprises sur 10 recourent déjà à ce type de plateforme. Par rapport à ces utilisateurs, 52%, donc la moitié, un peu plus de la moitié d'entre elles, vont encore intensifier l'utilisation de leur plateforme de développement d'IA. Et surtout, il y a un chiffre qui est assez éloquent, c'est que vous voyez qu'il y a 48% de celles qui n'ont pas encore utilisé de plateforme de développement d'IA qui envisagent d'y recourir dans les 24 mois à venir. On voit bien qu'il y a un essor considérable autour de l'IA. Autre donnée qui me paraissait intéressant de partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, à travers une étude qu'on mène régulièrement, sur les résultats qu'on observe sur une entreprise récente, sur un survey récent, 23% des entreprises, dans 23% des entreprises, l'IA fait partie des 3 centres d'intérêt les plus stratégiques pour le comité de direction. Donc on voit que ce sujet, au-delà de ce que j'ai pu présenter précédemment, est vraiment dans le top des priorités des entreprises. Alors, pour finir sur ce panorama, la quantification du marché de la gestion des données. Vous voyez que c'est un marché qui est en plein essor, puisque en Europe de l'Ouest, c'est un marché qui représente à peu près 36 milliards d'euros en 2020. On s'attend à ce qu'il dépasse les 50 milliards en 2024. C'est un marché qui est essentiellement composé de logiciels et de services. Et si on s'attarde plus particulièrement sur le logiciel, IDC en fait subdivise le marché logiciel de la gestion des données en 3 sous-segments.
Le premier sont les plateformes de gestion de la data, donc que ce soit les bases de données relationnelles, non relationnelles, et tous les outils d'intégration des data. Également les outils d'analyse, que ce soit les outils statistiques de data mining, les plateformes d'IA, les outils de requêtage et de reporting, les systèmes de recherche. Et puis pour finir, les applications de gestion de la performance, que ce soit dans le domaine du CRM, de la supply chain, de la production. Et bon an, mal an, je dirais que ces trois sous-segments de marché s'équilibrent. Hein. On est aujourd'hui à un poids de 33% sur tout ce qui est data management, 38% sur les outils d'analyse et 29% sur les applications de gestion de la performance. Élément important par rapport à tout ça, c'est que le segment qui, lui, va enregistrer la plus forte croissance, le plus fort taux de croissance annuel moyen, eh bien, vous l'avez deviné, ce sont les plateformes d'IA. Leur croissance, le taux de croissance annuel moyen attendu par IDC sur la période 2020-2024 devrait être de 54%, donc on voit que ça pousse quand même très fort. Alors, par rapport à ce panorama, il convient quand même un peu de gratter le vernis et de voir quelles sont aujourd'hui les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. Donc pour ce faire, de nouveau un survey mené auprès des entreprises européennes qui mesure l'intensité des défis rencontrés par les organisations en matière d'analyse de données. Ce que vous pouvez constater, hein, donc j'ai matérialisé en rouge les défis très importants et en orange les défis assez importants, c'est que, eh bien, on est à plus de 50% de l'échantillon de répondants qui rencontrent ces difficultés de manière plus ou moins intense. Premier élément, ce sont des outils aujourd'hui de reporting et d'analyse qui, au sein de l'entreprise, sont décevants. Donc, il y a vraisemblablement des axes d'investissement en la matière. Des données en silo, ça c'est aussi quelque chose qui a été évoqué en introduction, mais qui continue, j'irais, de caractériser bon nombre d'entreprises. Données en silo et fragmentation de ces données qui rendent très difficilement l'accès aux données de manière à l'échelle. Une hausse des coûts et de la complexité qui est due à l'augmentation du volume des données et la variété des formats. Variété des formats qui est en train d'augmenter. On a parlé de l'Internet des objets, mais on a aussi tout ce qui va concerner les données non structurées. Les difficultés à localiser les données ou y accéder, rendues d'autant plus difficiles au-delà des silos que certaines données sont dans le cloud et d'autres on-prem. Une mauvaise gestion de l'accès aux données et de leur mise à jour à l'échelle de l'entreprise. Je ne vais pas commenter tous les éléments, mais on voit bien que aujourd'hui, les entreprises sont vraiment confrontées à pas mal de difficultés. On peut le voir d'ailleurs, c'est une des parts les plus importantes. Les données sont de mauvaise qualité ou mal comprises par les utilisateurs. On a carrément 18% des entreprises qui considèrent que c'est un défi très important, versus 41% qui le considèrent comme assez important. On retrouve bien les difficultés traditionnelles des entreprises. Alors, autre élément, c'est de voir un petit peu quel est le degré, entre guillemets, de maturité des entreprises vis-à-vis du traitement de la donnée. Je vous propose de regarder les résultats de cette étude où on a segmenté l'approche des entreprises suivant les stratégies qu'elles poursuivent. Alors, en rouge, on a des business units qui ont leur propre stratégie, outils et bases de données. Donc, on voit bien que, en fait, la gestion de la donnée est vraiment faite de manière opportuniste, département par département. Donc, rien n'est partagé. Ensuite, pour l'essentiel des entreprises, à hauteur de 45%, les outils et les méthodes sont partagés, mais les données sont conservées et analysées localement dans des business units. On voit bien qu'on n'est pas encore dans cette logique, et je l'ai matérialisé par une fracture, dans cette logique de passage à l'échelle et d'industrialisation qui va caractériser 42% des entreprises. Pour 30% déjà d'entre elles, l'infrastructure donnée est partagée à l'échelle de l'entreprise, avec des outils en commun et un accès partagé aux données. Et puis pour 12% des entreprises qui sont les plus avancées, on a carrément une entité centrale qui est chargée d'améliorer au quotidien l'utilisation des données, des outils et des compétences dans toute l'organisation pour améliorer le traitement des données et la prise de décision. Alors, idem, si on continue de regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de la gouvernance des données. Là, c'est extrait d'une étude que nous avons menée en France. Donc, on recentre sur la France en 2020, toujours auprès d'entreprises de plus de 500 collaborateurs. Et comme vous pouvez le constater, on parle beaucoup d'entités en charge de la gouvernance ou encore du fameux CDO. Aujourd'hui, dans le traitement qu'on a fait, nous, on a seulement une entreprise sur deux qui dispose d'une entité en charge de la gouvernance des données sur une population, je le rappelle, d'organisations de plus de 500 collaborateurs et pratiquement un tiers d'un Chief Data Officer.
Alors, relativisons un petit peu les propos parce que cette étude portait à la fois sur le secteur public et privé. Et donc, typiquement, sur l'existence d'une entité en charge de la gouvernance des données, on est à 60% dans le privé versus 39% dans le public. Idem côté CDO, on est à 48% dans le privé versus 15% dans le public. Donc, on voit qu'il y a aussi une marge de progression considérable dans le secteur public. Continuons ce panorama justement sur le niveau de maturité et les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises. Là encore, j'ai matérialisé les résultats cette fois d'une étude dont j'aurai l'occasion de donner plus d'éléments, qui est une étude qui a été menée par IDC conjointement avec CLIC. C'est la part des données qui sont potentiellement exploitables et qui ont été identifiées, là à l'échelle des entreprises européennes, d'Europe de l'Ouest. Et comme vous pouvez le constater, en moyenne, lorsqu'on regarde tous les pourcentages, on a 62% de données qui sont aujourd'hui intéressantes, mais exploitées. Donc ça laisse quand même près de 40% de données qui seraient intéressantes et qui aujourd'hui ne sont pas traitées, donc qui se trouvent dans la partie immergée de l'iceberg. Peut-être un petit mot aussi sur la France par rapport à ce traitement européen. Là, on le voit sur le graphique, sur la partie bleue foncé et bleu clair. Donc c'est la part des entreprises qui exploitent moins de 50% de leurs données. C'est 26% à l'échelle de l'Europe et c'est 34% au niveau français. Donc on voit que ce côté-là, on a aussi un petit retard par rapport à nos homologues européens. Pour terminer ce tour d'horizon, pardon, excusez-moi, la roadmap pour les entreprises, une roadmap qui tient à la finalité en fait des traitements qui sont réalisés. Aujourd'hui, on voit bien que les choses sont complètement en train d'évoluer entre des reporting, et je dirais un peu l'approche traditionnelle qu'on a connue de l'analyse de données, vers, je dirais, des logiques beaucoup plus prédictives et à plus forte valeur ajoutée. Donc, si on regarde un peu cette roadmap, à date, on a 5% des entreprises qui sont encore dans une réponse très, très spécifique, sur mesure. On a 24%, donc pratiquement un quart des entreprises qui sont encore dans des logiques de reporting réguliers. Donc, je dirais que tout ça, on est encore dans une approche assez traditionnelle du traitement de la donnée. On a un peu plus d'un tiers, 34% des entreprises qui sont dans des logiques de diagnostic, de compréhension d'événements passés. Et là encore, il y a un effet de rupture parce qu'on va passer de l'analyse, je dirais, historique à l'analyse prédictive. Aujourd'hui, ça concerne 28% des entreprises où il existe, je dirais, on va chercher des corrélations complexes entre les données pour expliquer et prédire des phénomènes. Et puis, on est à date à hauteur de 9% des entreprises, mais vous aurez bien compris que l'idée, c'est de faire glisser tout le monde vers les prédictions, voire l'optimum. Et qu'est-ce que cet optimum? Eh bien, c'est non seulement la capacité à analyser de multiples sources de données, internes et externes, structurées et non structurées. Bien entendu, vous l'aurez compris, lorsqu'on parle d'analyse de données, c'est la généralisation du big data. C'est également des analyses en temps réel ou presque qui vont garantir une prise de décision optimale. Ce sont des compétences analytiques qui sont embarquées aussi au sein des métiers. C'est la maîtrise des processus de collecte et de préparation des données, l'automatisation, dont on sait que ce sont des phénomènes très chronophages au niveau de traitement des données. Et puis, c'est bien entendu la mise en place d'une gouvernance de la donnée efficace. Alors peut-être pour conclure aussi par rapport à ça, mise en place d'une gouvernance de données efficace, je dirais ça implique aussi un fort investissement de la direction générale pour épauler l'entité en charge de la gestion des données. Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu vite, mais ça permet de vous donner le maximum d'informations. On a minimum de très bien Thierry. Donc, ils nous ont rejoints en plateau sur le thème vers l'entreprise pilotée par la data. Bonjour à vous, bonjour Caïs, bonjour Abdelaziz. Alors on va commencer un petit peu Data Value Consulting. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la société en quelques mots? Bien sûr, Data Value Consulting est une jeune entreprise, 6 ans d'existence. Donc on est fortement spécialisé sur la valorisation de la donnée. On intervient sur toute la chaîne de valeur, mais beaucoup de missions en amont, conseil, consulting, cadrage et accompagnement de nos clients. Et on va jusqu'à la mise en œuvre de projets. Donc nos clients, c'est essentiellement l'agro-administration et dans ce cadre-là, on accompagne le ministère des armées, le ministère des finances, beaucoup d'agences de l'État. 35% de notre chiffre d'affaires est fait avec le public, mais également beaucoup de clients du CAC 40 avec un vrai focus industrie-service. Alors voilà. Vous êtes une jeune société, mais déjà avec pas mal de belles références, dont Faurecia avec qui vous travaillez. Caïs, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Faurecia qui est connu, mais peut-être pas tout l'ensemble des activités? Tout à fait. Alors, Faurecia, donc, très simplement, ce qu'il faut savoir, on est présent
partout dans le monde, en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord et Amérique du Sud. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Europe, une voiture sur trois contient du forestière. Parce que vous êtes équipementier auto, donc en fait, c'est tout à fait. Donc tout l'équipement auto. Voilà, donc on est présent sur toutes les surfaces intérieures de la voiture. Ça va du tableau de bord jusqu'au siège de la voiture, ainsi sur l'activité des pollutions des moteurs des voitures. Alors, lorsqu'on a préparé cet entretien, je me suis dit, ben là, avec la situation, le marché automobile, c'est un peu fortement ralenti, mais au final, vous avez plutôt bien passé la crise. Tout à fait. Bon, l'année 2020, c'était une année compliquée, mais pas une année perdue. Parce qu'on a bien montré notre résilience et du coup on a aussi validé notre stratégie, et donc c'est une année pour nous qui va nous permettre de sortir encore plus fort, et ça c'est aussi le fait qu'on est présent partout dans le monde. D'accord, alors vous avez une fonction Lean Manager Data Analytics Big Data, donc vraiment on est dans le cœur du sujet. Vous vous situez où en fait, et dans quelle division de l'entreprise? C'est au sein de la Digital Service Factory. D'accord. De Faurecia, qui est une entité globale, qui accompagne l'ensemble des métiers de Faurecia. Et donc l'idée, c'est d'accompagner la transformation digitale de l'entreprise sur l'aspect data, cloud, IA et cybersécurité. C'est vraiment de grands sujets autour des enjeux du management de la data, du move to cloud. Et justement, en fait, quels sont un peu les... Si vous deviez nous dire rapidement les enjeux de la data justement chez Faurecia, quels sont un peu les programmes, vos axes? Alors, chez Faurecia, nous considérons d'abord la data comme une valeur. Et donc, sous l'impulsion de la direction générale et du COMEX, qui est très sponsor sur cette démarche digitale et data IA, donc on se focalise énormément sur les cas d'usage. Alors les cas d'usage, on trouve les trois dimensions principales qui sont la performance opérationnelle, aussi tout ce qui est connaissance client et parcours client. Et la troisième dimension, c'est tout ce qui est autour de l'innovation et le développement des nouveaux produits et services. Donc on est autour de ces cas d'usage-là. Alors, on reviendra un peu sur le détail de la démarche, mais Abdelaziz, vous connaissez Case depuis quelques temps déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment dans une démarche avec Faurecia de co-construction, c'est-à-dire que comment vous travaillez-vous ensemble justement dans cette démarche commune? Écoutez, notre positionnement de consultant nous vous impose une certaine de travailler cette proximité, cette intimité client qui nous permettent non seulement d'apporter de la valeur, mais aussi de s'inscrire avec nos clients sur la durée. Et effectivement, CAIS, lors de chez son ancien employeur, pour ne pas le citer, le groupe La Poste, on a fait énormément de choses ensemble. Et puisque les choses se passent bien, on apporte de la valeur, on arrive à suivre et à comprendre les problématiques de nos clients et de nous positionner en tant qu'apporteur de valeur. Les résultats étaient là, et je pense que quand il y a un partenaire et un fournisseur de confiance, aujourd'hui on essaie de le prolonger, et puis les mécanismes, les réflexes, les fonctionnements étaient aussi déjà là, établis et à un niveau de confiance aussi satisfaisant. C'est pour cela que le groupe Faurecia nous fait confiance, et on travaille sur un certain nombre de sujets avec Case. En effet, Case, c'était une démarche qui a été éprouvée dans votre ancien groupe. Donc du coup, vous avez décidé d'avoir un peu le même type de démarche, mais bien évidemment appliqué au groupe Faurecia. Après, vous avez été un petit peu stoppé par le Covid et stoppé par le Covid. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, Abdelaziz, un peu quelle est cette démarche qui est mise en place, qui est quand même assez... une méthodologie qui est structurée et sécurisante pour les projets. Je voulais vous demander de nous en parler parce que vous l'avez bien modélisé en fait. Tout à fait. Donc c'est une démarche sur laquelle nous travaillons depuis un certain nombre d'années, 3-4, et c'est aussi le reflet de nos retours d'expérience chez nos clients. Donc d'abord quelques étapes que je qualifierais de logiques qui peuvent s'adapter à n'importe quelle entreprise, bien sûr moyennant quelques ajustements. Mais une étape, une démarche qui démarre d'abord par la vision. La vision, c'est un travail de quelques semaines qui est fait généralement avec la direction générale
et qui réfléchit de manière générale à ce qu'on souhaite faire avec la data. Et sur cette démarche-là, donc, on va définir les grands ponts d'investissement data qu'on souhaite faire. Est-ce que ça va être ce qu'on souhaite avancer sur une plateforme qui va travailler, commercialiser, etc., de la data? Est-ce qu'on veut faire du cas d'usage, etc.? Et c'est cette première étape qui va, je dirais, initier un peu aussi les grands chantiers de la data. Il faut avoir une vision, parce que souvent exactement. On démarre sur un use case ou plusieurs use cases, mais il faut d'abord en amont avoir un peu cette vision de où on veut aller. Quoi, exactement. Puis à cette première étape qui est la vision, donc s'ensuit la définition des use cases. Donc la définition des use cases, on ne va pas jusqu'à leur mise en œuvre, mais leur instruction, à quoi ils vont servir, le time to market, le retour sur investissement chaque cas d'usage, les éventuelles données sources qui peuvent venir pour pouvoir en tout cas produire de la valeur. Et puis, le point le plus important de cette étape-là, est-ce que mes cas d'usage qui sont recensés auprès de tous les métiers peuvent être déployés à grande échelle? C'est vraiment un point très important sur lequel on insiste auprès de nos clients pour avoir créé en tout cas ces licornes internes à l'entreprise qui peuvent générer beaucoup de valeur. Et puis après, donc, on va entamer la phase d'organisation qui va travailler un peu sur l'organisation, la définition des rôles, le recrutement qui va aussi initier la phase de conduite du changement. Quand on aborde la data et on souhaite l'installer comme, je dirais, apporteuse de valeur dans l'organisation, il y a cette préparation des équipes, le recrutement, le choix de fournisseurs, etc. Donc toute l'organisation qui va travailler autour de la data est faite aussi au niveau de cette étape-là. Mm-hmm. Et puis on a deux autres étapes que je qualifierais plutôt de technique, le data management, même s'il y a un aspect gouvernance qui est assez important, et puis toute la partie data platform. Et une fois qu'on a travaillé tous ces cas-là, bien sûr, pour chacune des phases, donc on a des prérequis, on a des livrables, on a des modèles, etc., qui sécurisent un peu la démarche, on peut enchaîner les cas d'usage de manière séquentielle, en parallèle, etc. Tout dépendra de l'organisation, de ses capacités pour pouvoir les traiter. Mais cette démarche est le reflet, en tout cas, d'une bonne dizaine d'initiatives chez nos clients et qui aujourd'hui donnent des résultats. Alors c'est intéressant parce que je parlais de démarrage par les use cases, mais c'est encore ce qu'il y a de mieux. Des fois, des sociétés ont démarré sur la mise en place d'un data lake sans même savoir sur quel use case ils allaient pouvoir aller. Donc cette démarche, en fait, fort de cette expérience, Caïs, quels sont un peu les win-win, enfin les bénéfices gagnants-gagnants que vous pouvez voir alors, sur votre expérience passée et puis là sur ce que vous envisagez au niveau du groupe Faurecia, justement sur quel retour d'expérience vous pouvez avoir de ce type de démarche? Alors, comme c'est présenté, donc ces quatre piliers, c'est très important pour cette démarche, donc vision use case, data platform et data management, et le quatrième, et non pas le moindre, c'est les compétences et les équipes, les femmes et les hommes qui vont exécuter cette démarche. Je pense que vous l'avez très bien dit, il y a eu une première phase des entreprises où ils étaient plus concentrés sur la mise en place d'un data lake, traiter le sujet sur l'aspect technologique. C'est très important, c'est une dimension importante, mais on n'est plus du tout dans cette approche. Maintenant, c'est plutôt les use cases et la vision avec la data management qui vont tirer le sujet, parce qu'aujourd'hui, on considère que la technologie est mature, elle est disponible à l'usage, et aujourd'hui, les providers de cloud ou les grands éditeurs des solutions de data IA, il y a des solutions qui existent sur étagère en mode IaaS, PaaS dans le cloud. Il n'y a pas besoin de réinventer les choses et mieux se focaliser sur les use cases et sur les data management. Les solutions sont faciles sur étagère et donc du coup il y a toute la dimension en fait définition des use cases, vous l'avez parlé de change management, de culture en fait autour de la data. Et au niveau des ressources, c'est vrai que bah, du coup c'est des compétences à faire aussi évoluer en interne. Voilà. Tout à fait. C'est deux piliers, donc les ressources internes, soit c'est des ressources qui existent, qu'il y a besoin de les accompagner pour aller vers ce monde de la data, de l'IA et de data management,
ou des partenaires sur lesquels ben, il faut vraiment choisir les bons partenaires experts dans ce domaine pour être accompagné. Parce qu'aujourd'hui, la différence, je pense que ce slide-là, tout le monde est d'accord et tout le monde le partage. Néanmoins, aujourd'hui, c'est la vitesse d'exécution. C'est l'exécution qui fera la différence. Comme on dit, 25% c'est de la stratégie, 75% c'est de l'exécution. Et c'est l'exécution avec les femmes et les hommes qui fera la différence entre deux entreprises. Alors là, comme vous le disiez, vous avez été freiné un peu par le Covid. Donc la Covid, on peut espérer que ça reprenne. Vous étiez vraiment là sur les recommandations côté infra, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Tout à fait. Donc, voilà. Alors juste, si on peut parler un petit peu des use cases, dans le cas de Faurecia ou dans le cas des autres clients que vous pouvez avoir, quelle définition des use cases, comment vous avez approché un peu cette démarche autour des cas d'usage? Les cas d'usage aujourd'hui, c'est ce qui va donner, je dirais, l'avantage concurrentiel aux entreprises. Mmh. Et ces cas d'usage, comme le montre le slide, on les a regroupés en 5 familles. D'abord, l'innovation. Et l'innovation, elle intervient essentiellement pour la création de nouveaux services, nouveaux produits. Et c'est tout le travail qui est fait généralement avec les directions R&D. Après cette grande famille, donc vient la partie connaissance client. La connaissance client, c'est aujourd'hui, je dirais, un domaine réservé aux directions générales, direction marketing, mais c'est ce qui va apporter la vision 360 des clients. Et quand on parle de vision 360, bien sûr, il y a la recommandation, il y a énormément de choses, mais c'est aujourd'hui essentiellement la production de scoring, le scoring d'appétence produit-service, le scoring d'appétence churn, etc. Mais il y a une bonne centaine de use cases qu'on peut développer sur cette famille de cas d'usage. Et puis, on a toute la partie expérience opérationnelle. Quand on parle d'expérience opérationnelle, c'est essentiellement toute la data qui vient des objets connectés, qui vient des usines, des chaînes de fabrication. Et là, on a non seulement la donnée produit, qui tout ce que les machines remontent, mais il y a également toute la partie suivi de fournisseurs, qualité, etc., etc. Là aussi, on a énormément de cas d'usage qui, dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait pour certains acteurs de l'industrie, on arrive à les recenser, à les travailler, à les affiner pour pouvoir apporter de la valeur sur les unités de production. Et puis, après, il y a la maîtrise de risque. La maîtrise de risque, c'est essentiellement aujourd'hui la fraude. Et la fraude, dans l'accompagnement, par exemple, qu'on fait pour la douane, l'accompagnement qu'on fait pour certains grands ministères, pour des banques, etc., on arrive à affiner, moyennant tout ce qui est IA, etc., la finalisation de la partie fraude et puis l'identification des éventuelles opérations qui peuvent être frauduleuses. Et puis, le dernier point, et c'est toute la partie agilité opérationnelle. L'agilité opérationnelle, on est essentiellement focusé sur des familles de cas d'usage traitant du process, le process interne, son amélioration, l'agilité que peut avoir l'entreprise pour pouvoir, en tout cas, affronter la concurrence, affronter le marché et créer toujours de la valeur. On trouve un peu ces use cases dans différents, on pourrait dire, oui, il y a du retail, du manuf, de la finance, mais en fait, chacun il y a aussi des use cases qui sont cross-industrie. Très bien. Mais merci en tout cas pour votre témoignage. Merci Abdelaziz. Merci Kaïs. Vous pouvez revenir, je pense, l'année prochaine pour nous expliquer un petit peu comment progresser cette démarche sur cette année. Merci en tout cas à vous.